Bonjour à tous mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de Dark Souls 3 où on est dans le noir. On avait mis les pieds dans une zone horrible. Et on s'était retrouvé face à face, en fait c'est la zone du début mais en plus dark. Et du coup on va ping les lézards. Parce qu'on n'est pas con, hein, on va pas affronter les deux en même temps. Oups. J'ai fait un mauvais départ. Tant qu'on ping pas l'autre, ça me va. Mais t'es con, tu vises mal! Eh bah reviens ici aussi. Voilà! Et à en juger par la lueur, il n'y en a pas d'autres. Oh putain! Ah, c'est avec l'épée, tiens! La danse! Ouch! Je fais trop le greedy des fois. Bon, en fait, c'est un, je vais la virer. Je vais reprendre mon ancienne épée. Parce que certes, elle est cool. On va faire des mouvements de danse en mode gracieux. Mais. Ce qu'il y a, c'est que ça t'expose complètement. Donc je vais reprendre mon ancienne épée. Elle est où? L'épée du grand maître. Là. Voilà. Normalement, elle devrait faire plus de dégâts bruts. Et dégâts bruts. Et les dégâts bruts, tout le monde y est vulnérable. Bref, donc ça, c'est la zone. Ok. Ok. Ça, c'est la zone des lézards du début. Mais en plus dark. Ce qui est vachement rassurant. Du coup, là-bas, si je continue... Allez, allez, voilà. Là-bas, si je continue, c'est là où il y avait le fort avec Yudex Gundyr. Et... Donc ça, c'est le pot qu'on a croisé, sauf qu'au départ, les morts-vivants étaient beaucoup plus dociles. Et là, c'est là où on reposait. Oh non. Oh non. Je préférais largement mon ancienne tombe. Elle était moins fréquentée. Surtout si l'autre se... Non. Non! Ouais, voilà les corbeaux, restez là-bas. Soyez gentils. Soyez des bons corbeaux. Je peux pas m'approcher, putain. On tente. Pardon. Je voulais pas. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, frère, excuse-moi. Non, tu restes couché. Méchant corbeau! Et toi, tu m'énerves à gueuler! Putain, j'ai plus de magie. Si, j'ai des potions de magie. Quand il y en a plus, il y en a encore! On play safe ici. Mais ta gueule! Franchement, une fois que le sorcier sera mort, les autres me feront plus peur. Et ce qui est cool, c'est que la boule de feu porte vachement plus loin. Que dans Dark Souls 1, je parle. Hein. Couchez ! À ton tour, Korbach ! Oh, mon ancienne tombe ! Pierre de confession.
Pas ton compte. Cette chose horrible est un compteur. Bon, enfin, je voulais pas dire, moi, si je suis un homme corbeau. Ah, je suis complètement taré. Donc, ceci est mon ancienne tombe. Ah, là où tout a commencé. Là, l'endroit que j'aurais jamais dû quitter, en fait. Qu'est-ce que j'y trouve? Oh, l'anneau d'Estus Sandre. C'est quoi? Améliore la restitution des PC de la fiole d'Estus Sandre. Les PC, c'est la magie. M'en fous. Mais il me restaure déjà bien assez bien comme ça. Du coup, maintenant, on va aller vers là où était censé, où était censé être Yudexgundir. Tu vois, là, il y avait un mort-vivant. Là, il y en avait un autre aussi. Il était assis, il était pressif. Lui, il tuerait la balette. Donc, mais David, c'est... Oh, mais on va y rencontrer le... Le... Waouh. En fait, même quand c'est noir... Non, quand c'est noir, en fait, c'est moche. On va y rencontrer... Oh non! Ah! Dégage! Voilà! Pompe! S'il vous plaît? Voilà! Agir avec efficacité, précision et rapidité. Télément de vise. Voilà! Déjà vu quelque part. Oui, ici il y avait un feu. J'ai vu quelque part. Là, il y avait un ennemi qui apparaissait en face. Et là, il y a un méchant. Oh, si c'est les mêmes méchants, franchement, ça me va. Yeah. Franchement, si c'est les mêmes méchants, aussi faibles et aussi deux. Et Yudexgundir, il était là-haut. M'as compris? Voilà. Et je me suis restauré 4 fioles testus, j'ignore comment. Wouhouhou! Mais vous êtes nombreux, dites-moi! Voilà, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour... Je viens de... Wouhouhou! Calme-toi, voyons! Sommes-nous vraiment obligés de nous battre? Mais on n'est pas obligé! Oh putain, je suis pris dans une embuscade. Mais d'où vous sortez? Eh, vous êtes vachement plus vénère que la première fois, hein. Permets, je régène un peu. Merci. Oh, mais le mort-vivant, comme il m'a foutu un... Il a profité de... d'un instant de faiblesse. Ah, j'en étais sûr. Une bénédiction secrète. Ah. C'est une bénédiction, mais elle est secrète, donc faut pas le dire. Restitue l'intégral... Ah, d'accord, oui, d'accord. Ah! Tu permets, je régène. Bon, j'ai pas pu. Sur toi, je vais régène. Il y a quelqu'un là. Pas du tout. Ouh, il y a du people. Ouh, il y a du people. Ah, il y a du people. Mais j'ai déjà un peu de fiole d'Estus. Toi, tu crèves! Toi, tu crèves! Et toi, je sais que t'es un... Toi, je sais que t'es un menteur. Ouh! Ouais, ils sont vachement plus vénères que la première fois. Le truc, c'est que je peux pas foncer parce que je sais pas s'il y en a pas d'autres. Allez, brûle. Putain, mais t'as un bouclier, ça protège pas tes pieds. Merde. Ah. Bon, finalement, je préférais vraiment les premiers. Bref. Voilà, voilà. On va se... Ça, on va... Ça, on va dégager. Je vais me mettre ça. Une bénédiction comme ça.
une bénédiction comme ça et invoquer le petit peuple, maître épéiste. C'est une marque blanche, donc a priori, il me fera rien. Et là, on va trouver quoi? On va trouver un remake de Yudex Gundyr, mais en plus vénère? Bon. On va dire bonjour. Salutations! Hé! Hey. T'es AFK? Non, il est pas AFK. Ah, c'est Yudex. C'est le même. Il me suit l'autre. Pourquoi ne peux-tu pas passer? Gundyr le champion! Oh putain, le coup de pied! Ah, ça y est, il est passé! Je sais plus s'il se backstab. Non, il se backstab pas. Ou pas la chope. Et chope, c'est jamais bon. Vas-y, maître épéiste. Je le distrais. Je tank. Non, non, je rigolais. Aïe. Normalement, je suis... Oh putain, j'ai plus de faire des stress. Prends la bénédiction. Oh putain! Oh, la prise de Mawashigiri qui m'a fait! Et il est plus vénère. Bon, il a pas sa forme véreuse dégueulasse. Mais il est plus vénère et ça se sent, hein. On sent qu'il en a gros sur la patate. Voilà. Le truc, c'est que mon talent, enfin mon sort transpiration, je sais pas quoi là, ça améliore toutes les résistances, ok. Mais est-ce que ça améliore aussi la défense? Je crois pas. Donc là, c'est ma tombe. Là-bas, bon, on va tout droit de toute façon. Hein. Grossière erreur! Voilà! Ça s'est fait avec brio! Normalement, il y en a une autre ici! Ah! Elle était là! Aïe, 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 il m'a fait mal! Salope! Bon, on va essayer d'y arriver sans trop de bobos. Non, parce qu'encore une fois, Yudex, il est faisable. Hein. C'est juste un gros sac à PV, quoi. Il est mort vivant! Cette fois, on se laisse plus avoir. Hein. Là, il y a un... Là, y a un archer. Je peux l'avoir si j'y vais vite. Tu m'as pas eu! Oh putain. Voilà! On fait des ravages là! On fait des ravages chez le... Ah! Oh putain de flèches! Come here! Hé Ah putain, j'ai plus de marque d'invocation. Ah la merde. Si, il y en a une. Toi, viens.
L'honneur est sauf. Toi, je régène. Toi, je vais être régène. Je vais régène un peu sur ta gueule. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà. Je peux même me permettre de régène un peu plus. Non, lui, il va... Bon, bref. Donc, toujours le maître épéiste. Donc, ça, apparemment, c'est un PNJ. Ça va. Il tue ce PNJ. Non. On va essayer de lui asséner du feu direct. Même s'il bouge tout le temps, il va pas rester dans la lave. Mais bon. Allez, viens, l'être, le maître épéiste. Come here. Ouais, surtout que maintenant, il se réveille direct. Donc, j'ai plus le temps d'approcher. Ça lui fait que dalle! Ça, ça lui fait quelque chose par contre. Ah, change de cible, change de cible. Voilà. Maintenant, je vais devoir tanker jusqu'à ce qu'il rechange de cible. Allez, viens! Viens te battre avec quelqu'un que t'as déjà vu! Ça y est, rechange de cible. Non, tue pas. Je sais pas comment il a esquivé, mais il l'a fait. Et là, il s'énerve. Regarde-moi. 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 Vas-y, mec. Oups. Comment dire? Ça pue la merde! Si, s'il mettait pas 2 heures à se soigner! Ouais, c'est ça, tape du pied! Je traînais des pieds, des casseroles, je n'aimais pas beaucoup Gundyr! Mais je vais mourir, putain! Mais il voit. Ta gueule! Mais il me laisse même pas en placer une! Bordel! Ah! Il est horrible! Je te brin! Bon, ta gueule. Mais il est horrible ce boss! Il est nul! Y'a pas de... Y'a pas le piquant comme dans les... comme dans d'autres boss, comme... Ah, j'ai plus de braise, sa mère, j'ai pu pouvoir faire appel au champion. Ah, fait chier. Ah bah attendez, 2 minutes. Ok. Putain, je suis revenu au début, quoi. Ah, pourquoi ma vie est nulle? Bon. Allez, on est chaud. On se souvient qu'au début il y avait plein de braises. Donc on va refaire tout le château, tous les remparts. Et sacré nom de putain de merde, on va se refaire un bon petit... Wow, 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 wow. What? C'est quoi ce... Pardon! Bah, c'est super beau. Mais ça fout les jetons. Est-ce que l'un d'entre vous dropperait des braises, s'il vous plaît? Ta gueule! Putain, il fait venir la garde, cet enculé. Voilà. Et où le dragon qui vit là? Il est derrière. Il est là. Ta gueule toi! Aïe! S'il vous plaît! This
This is the Inquisition! Bon, mais je m'en fous, moi, de ça. Putain, en plus, il... Bon, bah, on a une super... Oh, il y a des archers. Il est beau. Est-ce que c'est un sac à PV? D'accord. Merci. J'en ai rien à foutre. Bon. En tout cas, j'ai vu une vidéo sur le net, tu t'inquiète pas. Oh, on peut aller là-haut. Est-ce que j'y suis allé là-haut quand j'y étais allé la première fois? Je ne sais pas, et pour tout vous dire, je ne m'en souviens pas. Si, j'y étais allé, oui, sûrement. Vous pouvez admirer le dragon. Donc apparemment, de ce que j'ai lu, enfin, de ce que j'ai vu, car je me renseigne auprès de mes collègues d'Arxouliens, il y aurait un spot de farm de braise. Enfin, un spot de farm, c'est vite dit. Dans le coin. Et qui se trouvera exactement... Exactement là! Par là. Au bout de ce chemin. Couchez! Gentil toutou. Ah! J'avais oublié cet enculé là. Non, parce que comprenez bien, hein, si jamais j'ai pas de braise, je peux pas invoquer de spectre, et donc je suis tout seul face à Udex, et j'aimerais éviter autant que possible. En tout cas, c'est très bizarre ce qui se passe ici. Très très bizarre. Quoi. Voilà. Je vais me prendre mon épée. Voilà. Il y a un archer, je vais le buter. What? Je me fais tuer par un mob à la con! Du ninja. C'est là. La colère du ninja. Le chien. Colère. Ninja. Ninja colère. Et là maintenant, on s'énerve et on s'échauffe. Bah voilà! Tu drops? Non? Bon, bah mesdames et messieurs, moi je vais farmer et je vous retrouve après le farm. Je mets pause, voilà, et à tout à l'heure. Re, j'ai une autre idée. I have another idea. Si normalement j'ai pas fait de la merde. Parce que j'ai un guide sous les yeux. Reprendre. Voilà. Alors, attendez. Là, irrite-t-il. Il existe un serment en effet, mesdames et messieurs, qui nous permettrait d'envahir les champs. C'est intéressant d'envahir les champs. Et de récupérer des braises. Donc normalement, par là, quelque part. Tiens. Répondre à l'appel de la coopération de Cyrir des Terres Obscures et vous faire invoquer sous forme de spectre. Oui. On y va, mesdames et messieurs. Pour rejoindre le serment. Des traîtres. Des félons. De ceux qui te plantent une lame dans le dos. Des traîtres. Ou comme ils l'appellent là-dedans. Les thanatophiles. Cyrir des Terres Obscures. On va l'aider!
Esprit sombre de Creighton. On se faufile et on le chope. BAM! Jamais refuser d'aider une femme. Sauf quand j'ai plus d'endurance. Épée du grand maître. Et combo. Hop, 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 hop. Non, Billy. Chut, 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 Billy. Ah. Endurance de merde. Oh putain, le combat s'annonce long. Attends, 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 attends. Je connais plus son... Ah, l'enculé. Crame. Et tu ne te régènes pas. Oh, il est mort. Cyrus, nous avons triomphé. T'inquiète, bitch. Retour dans mon monde. Dans mon monde, mesdames et messieurs, dans mon monde. Bon, après, tout ça, c'est... C'est... Comment? C'est... Je sais pas. Je finirai un autre jour. Pardon. Bien. C'est pas fini, mesdames et messieurs, c'est pas fini. Je pète un câble. Ça se voit? Oui, tant mieux. C'est pas fini! Il faut maintenant aller au camp des morts vivants. Qui se trouve là. Là, sous la falaise. Viens, viens sous la falaise. Avec le vieil. Où c'est du gâteau maintenant! T'inquiète pas, j'ai tout en main, j'ai tout en main. J'ai tout en main. Tout, 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 tout. Absolument tout! Voilà, nous sommes ici. Avec le gros en dessous qui fait un boucan pas possible. Voilà. Ah non, c'est le, pourquoi le ciel est rouge? C'est la lune noire? La prophétie de la lune noire? On va crever? Ah, tac. On court! Nous a pas vu. Très bien. Et on se souvient de cet arbre maudit qui nous avait tant fait de mal. Et là, il y a la marque. Voyons. Bah putain. Et là, il y a la marque, je disais. Oui, je réponds à la coopération de Cyrus, des terres de feu. Et Cyrus, je réponds à ton appel. Non, ta gueule. Audric le paladin, je sais pas qui tu es, mais on a commandé ta mort. Donc je vais te tuer. Oula, oh putain. Combat-moi. Non. Ah, le guide, il dit pas qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle est morte. Ah non, 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 non. On peut recommencer, hein? Oui, si. Oui, on peut recommencer. Pardon, Siri, je t'ai déconcentré. T'inquiète pas, on refait, ma poule. On va l'avoir, ce bâtard. Je sais pas qui c'est, mais on va l'avoir. On va l'avoir. La, la, la. Ouais, ouais. À l'attaque! Ah, c'est son grand-père? On le poutre! On le gangbang! C'est un pharaon en plus! C'est un pharaonien! Oh, oh, oh. Calme-toi, papy. T'es costaud, le grand-père, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait un doux foyer, comme dans Dark Souls 2. C'est-à-dire que si je me rapproche, je serai soigné.
Là, oui, il se rapproche. Vas-y, Cyrus! Un backstab! Rodrigue le paladin! Ah non, mais ça, c'est de la triche. Bam! Faut l'éloigner de ce foyer! Oups. Ah, mais son épée a fait saigner en plus. Ah ah! T'as plus de potions! Tu es à court, tu es à sec! Tu es à notre merci, Audric! La danse! Magie! Non, 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 non. Putain, d'endurance de merde. Et tu es mort, Audric ! Marions-nous, Osiris ! Celle qui m'était promise est morte, de toute façon. Mon devoir a été accompli, Osiris. Dis-moi où et quand. Oh, c'est mignon. Oh, je suis soigné. Dis-moi où et quand, et je te retrouve. On dirait une meuf d'Assassin's Creed. En plus jolie. La suite. Bien. Oh, j'ai reçu un bassin squelettique. Oh. Yes. Comment je fais pour retourner chez moi? Il me faut un feu. Où c'est qu'il y a un feu? Je sais plus où il y avait des feux. Là, il n'y avait pas de feu. C'était même la merde pour aller trouver Minivort. Lui, il doit plus trop nous faire peur, lui. Coucou! Ah, mais c'est toi, Marmiton! Marmiton! Toujours aussi vénère, mon cochon! Oui, toujours plus de bruit, oui. Du coup, ça serait en dessous, là. Pas moyen d'y aller, hein? Ouais, non, c'est là, je suis con. Putain, je suis trop con! Merde! Donc, du coup, va falloir courir. Parce qu'il y a plein de tonneaux! Voilà. Dans l'écurie que je sais. Putain, ça fait tellement longtemps. Non, c'est là, tout va bien. Nyaha. Je suis caché, bande de tricheurs. Et là. Hop. On va pouvoir. S'il te plaît. Voyager. Sanctuaire de Lichefeu. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Attends ce que je te dis, tu vas comprendre. Tu te calmes, s'il te plaît. Et donc là, voilà, elle est là. Salut Siri. Je n'ai pas encore pris le temps de vous remercier. Pour m'avoir secouru, c'est une fille. Yes. Cet esprit sombre était l'une des phalanges de Rosaria, d'infâmes bâtards, des rôdeurs aux mœurs ténébreuses. Mes ennemis jurés, des parasites. De la pire espèce qui soit, je m'en serais pas sorti seul. Merci. Ah, je vous offrir ma marque, au cas où vous auriez besoin d'aide, chemin faisant. Puisse la lune veiller sur vous tout au long de votre kite. Merci. Donc du coup, j'ai un anneau. Préviens les dégâts causés en cas de chute. Et du coup, comment on fait pour envahir? Je fais comment pour envahir maintenant? Vertèbre déformée, découverte par un malade mental. Ça pose bien les bases du serment. Sa face interne est ornée d'un curieux symbole relatif au carcan des dieux. S'en équiper permet de prêter des serments d'allégeance aux thanatophiles. Ces derniers n'ont qu'une idée en tête, voir grandir les piles des restes humains qui se plaisent à entasser et y manifestent sous forme d'esprit dément quand ils sont invoqués en tant qu'alliés ou envahisseurs. Ils n'ont aucune considération pour ceux dont la route de la
peut croiser la leur, toute mort étant pour eux susceptible de satisfaire leurs besoins. Ils sont nécrophiles en fait. Bon, bah mesdames et messieurs, on a trouvé le serment des thanatophiles. Je vais me renseigner pour savoir comment envahir Eto pour gagner des braises. Et moi je vous dis à la prochaine fois.